Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire mon room tour de ma pièce et mon rangement make-up. Voilà, donc on commence tout de suite. Donc quand on rentre dans ma pièce, voilà. Donc ça c'est mon coin make-up. Donc tous les meubles viennent de chez IKEA. Donc, on va commencer par ces deux petites commodes de chez IKEA. C'est les meubles Alex. Donc, dessus, j'ai des petits plateaux qui viennent de chez Action. Mes parfums qui viennent tous de chez Sephora. Donc, je me tarde pas trop sur les parfums car j'aimerais vous faire une vidéo là-dessus. Ensuite, les tiroirs acryliques, ils viennent de chez Primark. La chaussure, c'est du parfum, ça vient de chez Action. C'est un coffret Huda Beauty. Cette petite coupelle, je l'ai eue à Babou. Ça aussi, cette petite coupelle-là, je l'ai eue à Babou. Donc, nous allons commencer par les petits tiroirs acryliques. Donc là, c'est mes palettes, mes petites palettes. Donc, celles-ci, ils viennent de chez Primark. Ça, je l'ai acheté à Stokomani. Ces deux petites palettes-là, c'est de chez Action. De toute façon, mes palettes, vous les avez vues. Vous savez ce que j'ai comme palette. Là, pareil, c'est d'autres petites palettes. Là aussi, c'est des toutes petites palettes. Alors, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de palettes Action, tout ça. Ici, c'est toutes mes petites palettes de plus grande marque. Donc, ici, il y a du Huda Beauty, du Sleek. Là, deux petites palettes de chez Too Faced. Cette palette-là, Urban Decay. Une petite palette Natasha Denona que j'aimerais agrandir comme collection. Une petite palette de chez Zoeva. Ensuite, ici, c'est toutes mes fards à paupières. Donc, il y a du Kiko. Encore du Kiko. Ça, c'est du Kiko, la collection de Noël. Ça, c'est la collection de maintenant, actuellement, de la collection de cet été. Ça, c'est un fard à paupières trop, trop, trop bien pigmenté qui vient de chez Sephora. Ça, c'est un highlighter Fenty Beauty. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il est là. Ensuite, ici, c'est tous mes pinceaux pour les yeux. Donc, j'ai les pinceaux Sananas, Makeup Revolution et d'autres sites Amazon et tout ça. Ici, c'est une petite brume. Ensuite, les deux palettes viennent de chez Makeup Revolution. Ça, c'est une palette d'highlighter. Donc, je vais vous montrer la palette d'highlighter. Voilà. Ici, c'est une palette bronzer. Ici, c'est tous mes highlighters. Donc, il y a du Kiko, il y a du BK, là, du Action, Makeup Revolution, Marionneau, Makeup Revolution. Ici, il y a du P2. Ensuite, là, c'est un de chez Yves Rocher. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est bronzer et blush. Donc là, c'est un bronzer de chez Kiko. Là, un de chez Action. Là, c'est un highlighter, mais j'ai plus de place. Là, c'était aussi des genres de highlighter de chez Kiko. Là, c'est un bronzer. Là, c'est un blush. Ici, des blushs de chez Yves Rocher. Là, les petits blushs que je me suis acheté chez Action. Un petit blush Marionneau. Un blush de chez Sephora. Voilà.
Donc ensuite, nous allons passer au tiroir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai, comment je range mes produits make-up. Donc on va commencer par le bas. Donc ici, c'est tous mes vernis à ongles. Donc j'ai du Kiko, du Yves Rocher, du Sephora, du Action. J'ai aussi cette marque-là. J'ai aussi du vernis à ongles à gel de chez Kiko. Là, c'est du savon. Ensuite, ici, c'est toute ma réserve de shampoing, de gel douche, de dentifrice, de masque et tout ça. Ici, c'est toutes mes palettes Make-up Révolution. Donc ici, il y a toutes mes palettes chocolat. Là, la grande Reloaded. Ici, c'est toutes mes petites Reloaded. Ici, pareil. Là, une palette de Révolution Pro. Ensuite, encore des palettes. Ici, j'ai une grande palette de chez Action. Ici, une palette de Primark. Ici. Ici, une palette de Nocibé. Là aussi, Nocibé. La Kiko. Là, c'est toutes mes petites palettes Maybelline. Ici, c'est toutes mes palettes W7. Donc, en palette W7, j'ai tout ça. Donc, voilà. En dessous, j'ai une palette qu'on m'a offert. Celle-ci aussi qu'on m'a offert. Donc, voilà pour ce tiroir. L'autre, c'est tout ce qui est fond de teint. Donc, j'ai le fond de teint L'Oréal, le fond de teint BK, le fond de teint Yves Rocher, Kiko, Dior, le nouveau fond de teint de la nouvelle collection Kiko, toutes mes anti-cernes. Ici, c'est des bébés crèmes, des bases. Alors, j'ai des bébés crèmes de la marque Garnier. J'ai cette CC crème là et cette bébé crème là. Donc voilà pour ça. Ensuite, ici, c'est une poudre de chez Kiko. Ça de chez Make-up Révolution Action Kiko. Ça vient de chez Babou. Ensuite, c'est des poudres qui viennent de chez Action. Donc voilà. Ici, c'est tous mes mascaras. Ici, tous mes mascaras. Donc j'ai des mascaras Action, Kat Von D, mon chouchou. Le Too Faced, le Benefit. Si vous voulez une vidéo sur mes mascaras, je veux bien en faire une si vous voulez. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est pour mes sourcils. Donc, les produits Benefit, du gel à sourcils Kiko. Ici, c'est un crayon pour le dessous de mes yeux. Donc, voilà pour ce tiroir. Nous allons passer à l'autre tiroir. Ici, c'est tout ce qui est pour me démaquiller. Les délingettes, ma crème, mes produits démaquillants. Ici, c'est une petite crème de gel d'escargot de chez Action. Ici, c'est mes pinceaux pour le teint. Ici, c'est tous mes pinceaux pour le teint. Avec pour les lèvres de chez Winars. Donc voilà. Ensuite, encore et toujours des palettes. J'adore les palettes. Ensuite, au fond, c'est toutes mes palettes de chez Action. Celle-ci, elle vient de chez Action. Ça, c'est une palette de chez Primark.
Celle-là, elle vient aussi de chez Action. Le kit de sourcils de chez Action. Des fossiles de chez Makeup Forever. Donc voilà. Sur le côté, j'ai mes palettes Action là. Ici, mes autres palettes. Donc voilà, toutes mes palettes ici. L'autre tiroir. Makeup Révolution. J'adore ce tiroir. C'est toutes mes palettes Makeup Révolution. Donc là, c'est toutes mes Flawless. Ici, tout ça. Mes Flawless. Ici, c'est d'autres palettes Makeup Révolution. Donc, vous les avez déjà vues. J'ai fait une vidéo là-dessus. En dessous, ici, il y a toutes d'autres palettes Makeup Révolution. Là, j'ai mes autres petites palettes. Ensuite, là, j'ai toutes les palettes Sananas, Makeup Makeup Forever ici, Kat Von D, Becca, Tarte, toutes mes palettes Urban Decay. Donc, je me suis maquillée avec celle-ci aujourd'hui. Et elle est trop belle. Mes trois palettes de chez Anastasia. Ma petite dernière. Dans le fond, j'ai la palette que j'avais eue dans un coffret de chez Too Faced. Ensuite, en dessous, ça c'est une palette Tarte. Ça c'est une palette Too Faced de Noël. Une palette Too Faced et une palette Kat Von D. Voilà. Et palette Sephora. Ensuite, en dessous, c'est le packaging que j'ai gardé de la première collection de Sananas. Voilà, ici, c'est toutes mes fixateurs de maquillage qui viennent de chez Action. Et ici, dans ce bac, il y a tous mes highlighters. Donc, les highlighters et des palettes d'highlighter et de bronzer et tout ça de chez Kiko. Là, pareil. Là, c'est de chez Révolution. Et tout ça, ça vient de chez Action. Donc, Révolution, j'ai cette palette-là. Donc, voilà. Nous allons passer à la coiffeuse. À la coiffeuse. Donc, ce pot à pinceau, je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, donc là c'est tous mes pinceaux pour le teint. Ce petit pinceau là, je le trouve trop joli. Je l'ai acheté sur le site Makeup Révolution. Donc il est beau, en forme de rose. Donc voilà. Et les autres pinceaux, ils viennent de chez Sephora. Ensuite, ce petit rangement acrylique, je l'ai acheté à Carrefour. Donc, dans le petit tiroir, il y a tous mes crayons pour les yeux de chez Action. Ici, il y a tous mes rouges à lèvres. Donc ici, c'est toutes les rouges à lèvres de chez Kat Von D. C'était dans un petit coffret. Ça, c'est un grand rouge à lèvres de chez Kat Von D. Un autre rouge à lèvres Kat Von D. J'aime bien la marque Kat Von D. Ensuite, là, j'ai un rouge à lèvres de la marque Huda Beauty. J'ai soufflé. Ensuite, là, c'est un gloss de Fenty Beauty. Là aussi, Fenty Beauty. Un rouge à lèvres Becca que j'avais eu dans un coffret avec un highlighter. Donc voilà. Des fois ça veut plus fermer. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Je verrai après. Ensuite ici c'est des highlighters de chez Kiko. Ici encore la collection de chez Kiko pour la Saint-Valentin de cette année. Ici des rouges à lèvres Kiko. Là, Kiko aussi. Là, c'est tous mes crayons à lèvres. Donc, voilà. Je remets mes pinceaux. Voilà. Là, c'est des... je ne me rappelle plus.
C'est de cette marque là, voilà. C'est des rouges à lèvres. Ça, c'est un joli rouge à lèvres que j'ai eu à mon anniversaire par ma cousine. Donc voilà. Donc il est très très beau. Ensuite, au niveau de ma coiffeuse, ici j'ai mes pinceaux que je vais laver après. Ensuite, là c'est mon miroir que j'ai eu de chez Action. Ce grand miroir là aussi, je l'ai eu chez Action. De toute façon, ma décoration vient de chez Action. Donc voilà. Donc voilà. Ici, c'est mon petit portant quand je fais mes vidéos ou des lives. Ici, c'est tous mes brumes fixateurs pour le maquillage. Donc, j'en ai un de chez Kiko. Celui-là, je l'avais eu chez Action. Celui-là aussi de chez Action. Celui-ci, je l'avais eu dans un coffret de Noël de chez Too Faced. Derrière, il y a un rouge à lèvres de la marque Révolution. Donc voilà. Ici, c'est toutes des mini rouges à lèvres de chez Action. Ici, c'est Yves Rocher. Ici, ces deux rouges à lèvres là, c'est Bourjois. Celui-ci, c'est Bourjois aussi. Voilà. Ici, c'est un rouge à lèvres de chez AORC Révolution. Le rouge à lèvres de chez Lidl. Et un de chez Sephora. Ma petite poubelle pour mettre mes cotons quand je me démaquille. Ensuite, on arrive ici. Donc, si vous me demandez où se trouve la lampe, je l'ai achetée à, Ikea. Ensuite, ces deux pots-là, je les ai achetés chez Action. C'est pour mettre mes cotons et là, mes cotons-tiges. Là, en décoration, j'ai mis les deux livres de Céline Dion parce que j'adore Céline Dion. Je suis fan de Céline Dion, j'aime bien. Ensuite, ici, c'est une tasse mini que j'ai achetée à Primark. Donc, celle-ci aussi, elle vient de chez Primark. Donc, dedans, j'ai mis des rouges à lèvres. Ça, ça vient de chez Action. Et dans ce... dans cette tasse-là, j'ai mis toutes les rouges à lèvres de chez Sephora. Ici, c'est un coffret de chez Too Faced que j'ai eu à Noël et je l'ai acheté en solde. Ensuite, ça, c'est un coffret que j'ai acheté chez Action et c'est tous les rouges à lèvres de chez Action. Donc, voilà. Ensuite, ici, c'est un tournant pour les bijoux. Mais moi, dedans, là, je vais mettre tout ce qui est rouge à lèvres. Donc ça, c'est mes petits rouges à lèvres que j'ai achetés il n'y a pas longtemps chez Action. Donc, voilà. Dans ces tiroirs-là, je les ai eus chez Action. Avec il y avait des pinceaux et tout dedans. Je les payais 10 euros. Donc, dedans, j'ai plein d'autres rouges à lèvres, donc des rouges à lèvres de chez Action, Révolution, Yves Rocher. Ensuite là c'est tous des gloss, ceux-là ils viennent de chez Action, Yves Rocher. Celui-ci vient de chez H&M, ce gloss-là il vient de chez Too Faced. Et ce gloss-là il vient de le parfum que j'avais eu de chez Nina. Ensuite ici c'est mes gloss Makeup Révolution. Et ici c'est mes rouges à lèvres Makeup Révolution. Et ceux-là, ces deux-là viennent de chez Action. Et celui-là c'est un Focalure. Ensuite là c'est tous mes rouges à lèvres de chez Action. Ici c'est tous mes rouges à lèvres et gloss de chez Kiko. Donc là j'ai mes rouges à lèvres Kiko. Là, c'est un rouge à lèvres Kiko. Là, c'est des gloss. Et là aussi. Ensuite, de la collection de Noël Nocibé, j'ai acheté ce coffret-là. Il y avait tout ça dedans. Et là, c'est des gloss de chez Sephora. Donc, voilà. Pour ce petit coin-là. Donc, nous allons passer
à l'étagère. Donc ici, c'est tout ce qui est soins pour le visage. Donc ici, c'est tous mes masques pour le visage de chez Action. Donc tout ça hein, vient de chez Action. Là, c'est mes masques pour les lèvres de chez Sephora. Là, c'est de chez Action. Là, c'est pour les lèvres. Ceux-là, c'est pour les cernes. J'ai aussi pour les ongles. Je vous conseille aussi les masques de chez Kiko. Ils sont super bien. J'ai aussi des masques pour les cheveux de chez Kiko, Action, et voilà. Ici, c'est un produit que j'ai acheté chez Action. Là, c'est des masques, des produits voilà, pour les mains. Là, c'est des masques aussi. Donc là, c'est des masques que j'ai acheté chez Action. Ça, je l'avais eu en un cadeau par Sephora. Et mes préférés masques, c'est ceux-là que j'achète à chaque fois en solde à Sephora car ils sont super bien. Vu que moi j'ai la peau très sèche, et ben ils hydratent bien bien la peau. Ensuite, j'avais acheté ça aussi en solde. Un masque de chez Kiko, j'adore les masques de chez Kiko. Deux masques de chez Sephora, j'adore. Là ici, c'est ma réserve de produits pour démaquiller, gel démaquillant, tout ce qui est à base pour le démaquillage, quoi. Voilà. Là, c'est des crèmes, la nouvelle gamme de chez Yves Rocher. Là, c'est des masques que j'ai acheté chez Action. Ça, c'est des produits. Là, c'est tous mes produits pour les lèvres. Donc, je l'avais acheté en stole chez Sephora. Ça, c'est un gloss. Ça, c'est un baume à lèvres. Voilà, ici, c'est tous mes trucs pour les lèvres. Voilà, ici, c'est le tiroir pour le soin, en fait, du visage. Voilà, pour les cernes, la bouche et le visage. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, nous allons passer au deuxième tiroir. Donc le deuxième tiroir, ici je mets tous mes lingettes, hein, toutes marques confondues. Hein. Ici j'ai des lingettes de chez Action, ici des lingettes de chez Primark, j'adore les lingettes de chez Primark. Ensuite en dessous j'ai des lingettes de chez Sephora. Voilà, ici c'est ma petite réserve. Ici c'est des parfums, donc des brumes de chez Playboy. Ici, c'est un parfum que j'avais gagné chez Sephora. Là, c'est les parfums que j'avais achetés chez Action de Beyoncé, parce que j'adore Beyoncé. Ici, c'est encore des parfums. Je ne manque pas de parfums. Donc voilà, là, c'est des bains de bouche. Ici, c'est tout ce qui est pour les ongles, lime à ongles, dissolvant, des autres vernis à ongles de chez Action. Ici, c'est des cantons pour le maquillage. Ici, c'est tout ce qui est Beauty Blender. Ici, des lingettes démaquillantes. Ici, pour les ongles. Voilà. Et ici, c'est mon coin où je filme. Mon petit coin YouTube. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà les filles. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis contente d'avoir partagé mon petit coin make-up, ma pièce, quoi. Je suis contente de vous avoir partagé ça. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si vous avez des questions, dites-moi aussi en commentaire. Mettez un pouce bleu et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!